Il est 11h. Nous commençons les ventes aux conditions habituelles inscrites au catalogue et au procès-verbal. Les ventes sont faites au comptant. Les frais sont de 6% hors taxes en plus des enchères. Et l'enchère minimum aujourd'hui est de 5 000 €. Donc voici le numéro 1 présenté par l'écurie des Monceaux. Bonjour à tous et bienvenue pour cette vente Arcana de Hurling d'octobre. Donc c'est une femme qui parle, parce que les hommes sont un petit peu en retard ce matin. Donc Loïc Stécher et Arnaud Parier devraient pas tarder à arriver pour vous commenter cette vente beaucoup plus efficacement que moi. Voilà, et ben, en attendant je vous souhaite bon visionnage et puis je vous dis à tout à l'heure. Bonne journée. C'est la famille de Tapestry, de JF Kennedy. Combien offre-t-on pour débuter? Un poulain ici avec sérieux. Tout sérieux poulain ne ramène pas. Combien offre-t-on pour débuter? 20 000 euros, 10 000 qui offre 10, donnez-moi 10, 10 000, Ravenpass 10, la mère Oasis Green 10 000 euros, 5 000, enchère minimum 5 000 euros qui débute à 5 000, le Ravenpass 5 qui m'appelle 5 000, mettez vos enchères 5, faut débuter 5 000 euros, j'ai à 5 000, suivons 5 à 5 000 qui prend le relais 5 à 5 000, le fils de Ravenpass, un bon poulain physiquement ici, 5 000 seulement, vous êtes 5 à 5 000 euros qui m'appelle au-delà de 5 000 à 5 000 euros, bien vu seulement 5 à 5 000 euros, pardon d'aller 8 000, j'avais là-bas 8, 10 voulez-vous, j'avais 8 là-bas, 10 voulez-vous, j'avais 8, 10 voulez-vous, 10 000, bien vu 10, à 10 000, j'ai à 10 000, à 10 000 euros, 10 000, votre enchère 10, à 10 000, à 10 000, un bon Ravenpass ici, 10 000, last time, à 10, 12 000, 15 000 ici, à 15 000, Julie, l'enchère 15, à 15 000, pas là, à 18 000, j'ai maintenant à 18 000, 20 000, nous sommes à 20 000 euros, à gauche, 20 000, plus là, 20 000, j'ai ici à 20 000, suivons encore 20, à 20 000, là, 5, à 20 000 euros, 21 000 si vous voulez, 21 000, l'enchère à 21 000, l'enchère, j'ai 21 000, pas là, 21 000, votre enchère à 21 000, la salle de 22 000 et plus nous, 22 à 22 000 euros, l'enchère, j'ai 22, la 5, à 24 000, j'ai maintenant 26 000 kilowatts, votre enchère à 26 000. Et Loïc Stécher est en retard, bien sûr, comme d'habitude. Enfin, en tout cas, il a 30 secondes de retard sur Arnaud Poirier. C'est la rigueur Zessine qui en prend un coup, là. Angevine. Bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous? J'ai piqué un sprint là, depuis Soucelles. Toi, t'arrives en courant de Tarbes. Exactement, ouais, depuis Tarbes. Ah ouais, c'est un peu long, là. Je suis parti dimanche soir. Ouais, dimanche soir. T'as le marathonien, quoi. Ouais, c'est vanné. J'en peux plus. T'as 15 heures de sprint, on arrive à 2 secondes après le direct. C'est con, hein. Elle est à 40 000 boules, le lot numéro 1. C'est parti. Allez, c'est parti pour bienvenue. Ces 4 jours de vente. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Ouais, ouais, après une cuite, on a pris une première cuite chez Hervé. Vous et donc, avez pris une cuite. Oui, vous avez pris une cuite parce que toi, t'étais pas levé, évidemment. Et donc, nous avons fait 300 mètres de route ivre mort. Donc, forcément, ça prend beaucoup de temps. Ok, très bien. Pour lancer ce direct, je pense qu'on est chaud bouillant là pour les 4 jours. On est parti plein de peau. La newsletter est pas partie. Annelise Le Grange s'est levée. C'est ce qui est une bonne nouvelle. On a 192 donc, lots, Arnaud. 192 aujourd'hui. Nous sommes partis avec un mal de Ravenpass. Et WJK par Oasis Dream, un sprinter. Et un cheval de distance, un matière média, je ne parle plus parce que forcément je sens l'alcool, qui a gagné le Breeders' Cup classique. Non mais je déteste les gens qui finissent leurs phrases. Donc tu peux pas finir tes phrases, je ne t'en voudrais pas. Bien, un neveu de Wild Wind à 45 000 euros actuellement, à 47 000 euros même, Wild Wind. Wild is the wind. Donc Wild Wind. Wild Wild Bride. Oh yes. Et la famille de Tapestry.
et de John F. Kennedy. Diadre, diantre, la famille donc de Miesk, et donc de Evasive, enfin sur Miesk quand même. 47 000 euros pour ce numéro 1, nous allons enchaîner donc avec le numéro 2 présenté par le rat de Grand Camp. Donc le numéro 1 était présenté par le rat des Monceaux. C'est un fils de Oli Roman Empereur désormais qui entre sur le ring, né le 1er mai. Diantre. La mère est par doyen, s'est passé de Listed à plusieurs reprises en Allemagne. Oli deuxième Roman produit. Oli Roman Empereur qui va avoir son premier étalon. En France. En France, c'est le père de Dame Mario. Amario. Le haras du Tenet. Au haras du Tenet. Oui, Roman Empereur qui s'est encore distingué en Australie. Parce que c'est le père du gagnant de la Caulfield Cup. Il y a quelques jours seulement. La Caulfield Cup. La Caulfield Cup. Toi, t'es réveillé toi aussi, ça fait peur. Non, la Caulfield Cup. La Caulfield Cup, la Caulfield Cup en Australie. Mais j'ai dit ça, Arnaud. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Donc, tandis que nous avons monsieur Guy Pariente juste devant nous, pour qui est là, on ne sait pas pourquoi. Qui va présenter tout à l'heure le 4. C'est bien. Donc, le numéro 4. Le haras de Grand Camp, donc le président, je connais Oli Roman Empereur avec une mère pardoyen. Mère pardoyen. Ah, tiens, Fabien Guillotot qui s'est réveillé depuis 2 heures, mais qui a mis du temps à venir. Donc, une mère par doyen qui fut un excellent 3 ans de l'année 2003. Mais Francky Dettori, à l'époque, pensait pouvoir battre de la Kenny. N'importe Nawak. Doyen est devenu un étalon décevant. Non mais archi décevant. C'est le père de Piana, c'est ça? Oui, sans doute, oui. Mais n'empêche que c'est pas un bon étalon doyen. Fils de Sardolsois et Moon Cactus. Sardolsois, on ne le présente pas. Moon Cactus, l'arrière-grand-mère, donc a gagné le Grand Prix de Saint-Cloud, n'est-ce pas? Sous la casaque, sous l'entraînement plutôt, devrais-je dire, de regretter Sir Henry Cecil. Solène, on y revient. À 55 000. Pala et Pala, 55, j'ai Solène. À 55 000. À 55 000, Solène Lanchère à 55. 55, 60, 60 000. 60 000 et plus là, j'ai 60. 60, à 60 000, Dominique, contre nous, Ludovic. À 60 000, j'ai 62 maintenant. 5, voulez-vous, j'ai 62 par Solène. À 62 000. À 60... J'avais 65 juste avant. 68, voulez-vous. 65 ici. 68, voulez-vous? 65 ici. Ah, 65, 68. C'est vrai que c'est un cheval. Et puis il a le poil blanc dans la queue. C'est signe de qualité, comme disait mon grand-père, que j'ai jamais connu d'ailleurs. 68, 66, si vous voulez. 66 000. À 66 000. À 66 000, Ludovic, pas là. À 66 000, Ludovic Lanchère, à 66. Merci. À 66. 67, 67 si vous voulez. 67 000. 67 000, j'ai maintenant à 67. 67 000. À 67 000, plus nous, Ludovic, à 67. Merci. À 67, bien vu. À 67, last time. 10, 70 000. On y vient maintenant. À 70 000. 12. 70 000 euros. Bon, c'est normal, hein, à l'origine, j'ai 72 000. Mon cher ami à droite, Dominique, à 70 Loïc Stécher, comment ça va Loïc au fait? Je t'ai pas vu encore pour l'instant. Eh bien très bien, je suis en pleine forme. Bien, bien, ne crie pas trop dans le micro parce que sinon maman va gueuler. 72 000 à droite l'enchère, merci. À 72 000, last time, maintenant, merci. 73, 14. Passerait-on les 100 000 euros dès le numéro 2 du catalogue? On a fixé la clochette aujourd'hui à 100 000 euros alors. Tu vas me dire, mais qu'est-ce donc la clochette? Qu'est-ce donc la clochette? Je te retourne là. Qu'est-ce qu'il dit? Donc la clochette. À 75 000, j'ai maintenant. À 75 000. Against you, sir. On a fixé justement la clochette à 100 000 euros aujourd'hui. Donc dès qu'on aura un yearling qui va dépasser le cap des 100 000 euros, on rentrera une petite clochette retentir. 75 000, merci. La voilà. Alors c'était juste un test. Ah, hein. Il est trop fort, Jérôme Spielberg. Le 16 mai, par Théophilo et Willside, c'est la famille de Don Juan Triomphant, gagnant du critère... Don Juan Triomphant. Et des Rockingham Stakes Listed. Tout comme nous, quoi. Alors une fille de Théophilo, présentée ici par le rat de la Rebourcière. Qu'est-ce que tu penses de Théophilo? 15. Théophilo, il est entré au rang en quelle année déjà? 2008. À 10 000 euros, 10 qui m'appelle 10 à 10 000. Je regarde sa production, là, on a Voleuse de cœur. Voleuse de cœur, c'est une gagnante de groupe 1. À 10 000, la Théophilo, 10 à 10 000. 10 000 suivant 10 à 10 000 qui m'appelle au-delà de 10 à 10 000. Théophilo, c'est surtout le croisement Galiléo-Dainil. 12
C'est un Bolger, on le rappelle. Oui, bien sûr, tu fais bien de le rappeler d'ailleurs. Il était acheté par Godolphin. Et il fait désormais la monte en Angleterre, à Darley, Angleterre, d'Alamolstad. C'est le dernier market. Je n'ai pas vraiment de préjugés sur Teofilo. C'est bizarre parce que les journalistes, ils ont toujours des préjugés, des a priori, enfin des avis qui n'ont aucun sens et aucun fondement. Loin de moi ces idées. Oui. J'essaye de faire mon journaliste le plus prudemment possible déjà. Tu es donc plus Michel Onfray que Yann Moix. Plutôt. N'est-ce pas ? 32 000, j'ai maintenant à 32 à 32 000, Solène, à 32 000, merci, 35. Wildside, fille de Verglas, c'est la mère de ce lot numéro 3. Portait la casaque de la marquise de Moratala. Elle était entraînée par Mickaël Desanges, cette fille et sœur de plutôt de d'un gagnant de Listed. Plus bien sous la quatrième mai, on retrouve Marotta, entre autres. Qui était entraînée par Richard Gibson. Cette Marotta, elle portait pas la casaque d'Anthony Oppenheimer. Quand elle avait gagné le Saint-Alary. Mais oui. Anthony Oppenheimer, qui est l'éleveur et le propriétaire de Golden Horn. Pété de thunes. L'homme des diamants, Anthony Oppenheimer, qui est quand même le patron des diamants dans le monde. De Beers. Yes. L'entreprise De Beers. 58, si vous voulez. 58 000. J'ai 58 maintenant. À 58, nous sommes. À 58, l'enchère. À 58, dernière fois, dernière chance. À 58 000, bien vu. À 58 000, qui m'appelle la mère, placée de groupe. À 58, fini la fille de Théophilo. À 58, merci. À 58, fini. Pas mal de monde hein, pour ces premiers lots sur le ring. Arnaud, toi qui étais là hier, il y avait beaucoup de monde aussi pour les visites. Oui. Pour les visites, par le rat de Colville, un poulain green, le 2 mai par Ken. Oui, pour les visites et aussi pour l'assemblée. L'assemblée de Génération Gallo que nous allons mettre en ligne dans une seconde en ce qui concerne le différé. Et qui était à suivre hier à 17h, sur ce ring même, à Deauville. Propre offert de monde qui a 17h. Tu parlais tout à l'heure du rat de Colville, c'est Guillaume Vitz et Guy Parent qui nous présentent ce lot numéro 4. Il est déjà nommé, il s'appelle Xarino, un fils de Ken d'Argent et de Xarienne. Placé de Listed à 2 ans, à 40, c'était dans le critérium de l'Ouest. Et dans le critérium du Languedoc également. Diantre à Toulouse. À 12 000, à 12 000 euros, 12 000 euros, l'enchère à 12 000, vous êtes 12, à 12 000, à 12 000, qui m'appelle au-delà de 12, à 12 000, 12 000, à 12 000 euros, 12 000, qui m'appelle, tout le monde. Cette Xarienne portait déjà la casaque jaune et manche blanche de Guy Parent. Elle a déjà produit Mante Chiara, un actuel 2 ans, un fils de Ken d'Argent, et qui est gagnant en Angleterre. C'était à Newcastle cette année. Déjà, et qui était aussi... À Newcastle ? Troisième, exactement, Newcastle, oui. À 20 000, à 20 000 euros. 20 000. Et qui était troisième également du prix de Cabourg, ce Mankira. À 22 000, à 22 000, suivant. Diantre. Un poulain qui avait été acheté ici même. 30 000 euros, vous êtes maintenant à 30 000, à 30 000, j'ai maintenant 30 000, Dominique, je vous laisse faire, 30 000, à 30 000 euros, 30 000, non, c'est Tony, à 30 000, 30 000, à 30 000 euros, à 30 000 euros, bon poulain de Ken d'Argent, à 30 000. Cri comme son père, ce poulain qui est né assez tardivement le 2 mai 2014 donc. 35 000, la famille de Sambar, Brasileira, les deux sœurs, Brasileira. Qu'on a retrouvé récemment, que vous avez également trouvé récemment, puisque Brasileira est poulinière au Harabi Sablonnais. Vous avez vu samedi dernier un article dans les prix du Harabi Sablonnais qui est sorti. Nous avons tous été ébahis par un article dans les prix du Harabi Sablonnais. Très bien. 65 000, Tony à 65, 65 000, à 65 000, Tony l'enchère à 65, 65, à 65 000, l'enchère G à 65, 10 au restaurant, 15 en bas, 15 Tony, plus là, à 75 G, à 75 nous sommes, à 75... Alors est-ce que Guy Parent à 75 000, plus là. Soutient les enchères, mais remet des enchères là pour ce lot numéro 4. 80 000, Ingrid. À 80, c'est la question que tout le monde se pose. 80 000, j'ai
pour l'instant, non, puisque 80 000, c'est au restaurant, l'enchère. Ingrid, l'enchère à 80 000, last time, dernière fois, 80 000, bien vu. 5, Tony, 85 000. À 85 000, Tony. À 85 000, c'est plus solide. À 85 lignes, merci. À 85 000, tout bon poulain de Ken d'argent. À 85 000, merci. À 85 000, Tony l'enchère à 85 000, pas de regret nulle part. Ingrid, c'est contre nous. Fini, merci de votre aide. À 85 000, pas de regret nulle part. À 85 000, bon poulain de Ken d'argent, pas de regret Ingrid. Merci de votre aide. À 85 000, on va juger. Oui, Fresh Bidder 90. 90 000. Fresh Bidder. C'est Solène qui a, repéré Solène Gouinard, qui a repéré la, nouvelle enchère. Merci de votre aide. À 90 000, le marché. Et le nouvel enchérisseur, l'ultime enchérisseur, le dernier enchérisseur, aura-t-il raison finalement ? On la juge. Eh oui. 90 000, tête vote, thank you. Tête vote. Tête vote. Ah, c'est ce grand monsieur lunettes qui est. Qui est au centre là. Oui, un grand monsieur à lunettes au centre, ce qui nous décrit vachement bien Ted Vaught. Non, non, mais il a différentes casquettes. Il, il est lui-même consigner. Oui. Il est acheteur également. Il achète pour le prince Faisal, le propriétaire de Make Believe. Et donc, c'est un grand monsieur à lunettes qui est au centre. 10 000 euros, 10 à 10 000. 10 000. 10 000 euros qui m'appelle 10, 10 000, 10 000, j'ai à 10 000, à 10 000, la fille d'Intense Focus, la sœur de Katie. Le numéro 5, une femelle présentée par le Hard Bernesque. Elle est née en France, une fille d'Intense Focus, et de Alia, une fille d'Anaba. C'est la sœur de Katis Diamond, une Lorette de Listed, à Newmarket, s'il vous plaît. Une actuelle, 2 ans, une fille de Turtle Ball, issue de la dernière génération de Turtle Ball, née en France, puisque il avait commencé. Sur l'aura du prix Jean Prat, il avait commencé à faire la monte au Ouara de la Robancière avant d'être vendu au, à la famille Yoshida. À la faveur de, des succès de sa première production, hein, comptant notamment le 515. De lauréat de groupe 1. Ingrid à 38. À 38 515 et. 515 et. Et Tétalon, Ouara, c'est le 15 de France. Oui. Et. L'autre. Ah oui, l'autre. Luc Cayenne. Luc Cayenne. Ouais. 65 000. Je voulais me piéger. Oui, oui, oui. Entraîné par François Roy et portant la casaque de, d'Ahmed Mouknas et l'écurie Pandora Racing. Exactement, bravo. Et tac. 85 000 euros. Pour l'instant, nous ne devons pas passer les 100 000 euros, hein, je vous rappelle. 90 000 à 95 000. J'ai maintenant. Issu d'une souche allemande qui est sortie récemment Amazonite. À 95, merci. Encore lauréat cette année, un fils de Kamsin et Aquatinta qui avait gagné le prix Miesque pour les couleurs d'ailleurs de Turat Berdesque et l'entraînement d'Henri Alex Pantal, si je ne m'abuse. Tu ne t'abuses pas. À 95 000, on va. Nous allons donc pas passer les 100 000. J'allais m'enflammer un seul instant, mais oh, il faut savoir raison garder. Merci. À 95, on adjuge. 95 000, Kéros, merci. Le numéro 6 est absent. Nous passons au numéro 7, présenté par le Haras des Capucines et élevé par l'écurie de la vallée Martigny. Il s'agit d'une femelle. C'est Paul Nataf. Par Canford Cliffs et Al Rib. Qui a eu le dernier mot. Que Célèbre compte une victoire supplémentaire et Berusca deux places, se classant notamment deuxième à Longchamp. Le 6 est absent, donc, comme vous l'avez entendu. Le 7, une nouvelle femelle. Alors, Canford Cliff, hein, ça c'était un cheval de course très solide, très dur. Dur et rude. Il avait battu Goldie Kovad dans une édition épique et des Queen Anne Stakes à Royal Ascot. L'aura de 5 groupes 1, c'est Comfort Cliffs, ce Tagula et les talons à Coolmore. Et ses premiers produits ont 2 ans, ou même 3 ans déjà. Pierrick à 15 000, 15 000. Donc c'est le père de solo numéro 7, une fille de Comfort Cliff donc, et Al Rib. Al Rib, une fille d'APND. La mère de Design Jet. Design and Jet plutôt. Une placée de Listed. Présentée par l'écurie de la Vallée Martigny, Hervé Morin, qui est l'éleveur de, solo numéro 7. 35, Pierrick. Marie, 40 voulez-vous. J'ai 35 par Pierrick.
40 maris, 40 000 maris l'enchère 45, 45 Pierrick à 45 000, 50, 50 000, maris l'enchère à 50, 50, 50 000, vous êtes maris, 20, 50 à 55, 55 000 Pierrick, maintenant 55, 55 000, je vous laisse faire Pierrick à 55, 55 à 55 000, l'enchère bonne pouliche de Cantford Cliff à 55, last time, à 55 000 qui prend le relais de 55, 55 Pierrick à 55, last time, 60, on y revient Solène à 60 000, 60 000 Pala et Pala, 60 G à 60 000, 60 à 60 000 qui m'appelle au-delà de 60 à 60 000, j'ai maintenant Solène l'enchère, 5, 65 000 Pierrick, 10, 70, on y revient, oui Solène c'est sûr, j'ai 65, 10, 70, vous êtes Solène à 70 000. À 70 000, Solène. À 70 000, vous êtes plusieurs, Solène. À 70 000, vous êtes maintenant Solène et c'est plus Pierrick, plus Marie non plus. À 70 000. 15, 75, 75 000, Solène. À 75 000, Solène l'enchère à 75. 75 G à 75 000, Ingrid, je vous ai plus à 75 000. À 75 000, merci, 75, bien vu. À 75, last time. À 75, Solène l'enchère. À 75, on peut être jugé. 77, elle a dit. 77, Ingrid. À 77. 80. Deux, voulez-vous. J'ai 80. Deux, voulez-vous. J'ai 80 par Solène. À 80 000. À 80 000, j'ai 80. À 80 000, l'enchère, j'ai 80. À 80 000, merci. À 80 000, Solène. À 80 000, 2, 82 000. À 82 000, j'ai Ingrid. À 85 maintenant. À 85. À 85, tentez 90. À 85, j'ai merci. À 85, nous sommes Solène, l'enchère à 85 et on va juger last time, dernière fois, à 85 000. Bien vu ailleurs, à 85 000, l'enchère à 85 000. Solène, merci, à 85 000. On est parti sur un bon tempo là, avec, avec des 95 000, des 90 000, 58 000. Et toujours 85 000 euros pour, donc, pour ce lot numéro 7. Le roi du tempo. Al-Rib, notez que la mère Al-Rib a été vendue, et plutôt achetée 8 000 euros seulement. En février de cette année, par Federico Barberini, elle était pleine de Literato. Un très beau pédigré qui nous arrive ici sur le ring, qui est présenté par Eric Lermite du Radeau Grand Camp pour le compte d'Aleron Bloodstock. C'est un fils d'Exidan Excel, né en Grande-Bretagne le 9 mars 2014 donc. Et sa mère n'est autre que Alix Rhodes. La toute bonne fille de Linamix et Life on the Road, élevée par François Bayrou. Alix Rhodes, c'était une pouliche semi-classique. Elle était troisième du prix Saint-Alary. Et elle a déjà produit la Wonder Lane, une fille de Chamardal. Sous l'entraînement de Myriam Bolek-Badel et la casaque de Châtel-Perron. Et la Wonder Lane, sa première pouliche s'est placée de groupe également. Tout comme sa mère, troisième du prix de Malray, troisième de la Nonnette. Donc pour l'entraînement de John Amon. Et Sumball, un actuel 3 ans, a gagné cette année le prix Griffule, fils de Daniel Dancer, qui avait été acheté par Qatar Racing. Life Alix Rhodes est malheureusement morte cette année. Elle a également une 2 ans qui est à l'entraînement, qui a été conservée par son éleveur. 55 000, merci, 55 000. Non, elle n'a pas été conservée par son éleveur. Elle avait été achetée foal par l'écurie des Monceaux. Donc c'est l'écurie des Monceaux qui l'a gardée, qui est actuellement à l'entraînement. Elle s'appelle Lily Passion. À 70 000, à 70 000, le frère de Sumball à 70, 80, Flush Bidder à 80 000. Et ce lot numéro 8 qui est gris, gris comme sa mère, Alix Rhodes, elle était déjà grise. Sumball, son frère, est lui aussi gris. Monté par Alain Badel. La star des années 80, star 80. Alix Rhodes était monté par Alain Badel ou Alexis? Non, c'était les derniers shows montés par Alain Badel, il avait encore sa licence. 95 000, j'ai maintenant à 95 par nous. À 95 000, suivons encore à 95 000. Exidan Excel, le frère de Sumball à 95 000. Last time, à 95 000, merci. À 95, 100, 100 000. Et on va rajouter également qu'Alix Rhodes a cette année pouliné d'un mâle de Frankel. Mâle de Frankel qui est né le 10 mars. Et la Lily Passion, l'actuelle 2 ans, la fille de Sisu Star, est à l'entraînement chez Pascal Barry. À 97 000, dernière fois, dernière chance à 97 000. Last time,
la science à 97 000. Merci. À 97 000. On la juge. 97, merci. Le numéro 9 est présenté par Jedburgh Stud, une femelle baie née le 30 avril par Redoute's Choice et All It's Vanity. Les premiers produits européens, on l'appelle, de Redoute's Choice. On a une femelle ici, le lot numéro 9. Et ajoutons que Blue Iris est classé deuxième à Lyon et Living in a Fantasy deuxième à Deauville. Ah, des places depuis l'apparition du catalogue pour les deux sœurs de cette yearling. Blue Iris, vous l'avez entendu, l'actuelle 3 ans, une fille Cake Pross s'est placée à Lyon depuis l'apparition du catalogue. De même que Living in Fantasy, une fille Manson qui a actuellement 2 ans. Elle aussi s'est placée depuis l'apparition du catalogue. Alors c'est le quatrième produit d'Olis Vanity, cette fille de Goldaway, qui était entraînée par William Kargig, cette gagnante de groupe 2. Elle avait gagné le prix de Sandringham. 30 000, la Redoute Choice, 30 000. À 30 000, suivant 30, à 30 000, Redoute Choice, 30, 30 000, 30 000 euros, 30. À 30 fille de Goldaway, donc déjà élevée par Jedburgh Stud. Elle partait à la Kazakh Corbani. Par la suite, elle avait été exportée aux États-Unis, d'où elle a été croisée à Smart Strike, entre autres. Et Olis Vanity est cette année suitée d'une femelle, ou était plutôt suitée d'une femelle de Ken d'Argent, puisque les sevrages ont déjà commencé depuis bien longtemps. Et nous en sommes pour l'instant à 30 000 euros. Elle est présentée par ses éleveurs, c'est-à-dire Jedburgh Stud, Alec Woe. À 35 000, la Redoute Choice, 40, 40 000, 40 000 euros, 40, j'ai 40 000, 40 000, vous êtes 40, 40 000, 40, à 40 000, Tony Lanchère à 40 000, à 40 000, la fille de Redoute Choice à 40 000, la chance, à 40 000. Olis Vanity avait débuté sa carrière assez précocement, puisqu'elle avait débuté à 2 ans, au mois de mai de ses 2 ans, au Salon de Provence. Pour une deuxième place, puis une quatrième place, elle avait ouvert son palmarès à Divonne, puis à Vichy. Progressivement, elle avait monté les gravis, les échelons step by step. C'était d'abord placé troisième de l'Istud à 2 ans, toujours à Marseille, dans le prix de la honte. Et puis elle avait gagné une nouvelle Istud, enfin sa première Istud plutôt, toujours à Marseille, c'était le Georges Trabeau, un classique dans le sud-est. Puis par la suite, elle est montée à Paris, comme on dit, pour gagner à Chantilly, le jour du prix du Jockey Club, le prix de Sandringham. C'était en 2007, elle était associée à Franck Blondel. Et elle battait entre autres Just Little, qui était troisième, et Elva, qui était quatrième. Elva, c'est la mère de Hervédia, la fictionnée triple gagnante de groupe 1 cette année. Maintenant j'ai à 90, 15, 95 000, 100 000, j'ai à 100 000, 100 000, vous êtes à 100 000. On est à 100 000. Oh. Et la cloche sonne. J'ai à 100 000, à 100 000, merci, à 100 000, bien vu, à 100 000, Marie Lanchère, à 100 000, pas de regret ailleurs, à 100 000, fini là, à 100 000, merci, à 100 000, dernière fois, dernière chance, à 100 000 euros. On la juge, Marie, votre enchère, merci, 100 000. Le numéro 10 est présenté par l'écurie des Monceaux, une femelle baie née le 22 mai par Acclamation et Alsace. Et notez que son demi-frère, Jules et Jim, a remporté le prix Rheingold à Saint-Cloud depuis l'apparition. Fille d'Acclamation, la mère King Best, un croisement qui a réussi. Très belle. Le lot numéro 10. Présenté par l'écurie des Monceaux, une femelle par Acclamation et Alsace, qui est née le 22 mai. 20 000. C'est Gérard Larieux qui a acheté pour 100 000 euros le lot numéro 9, Chantilly Bloodstock. À 10 000 euros, 10, Acclamation, la mère King Best à 10 000, à 10 000 euros, l'enchère 10, 12, 12 000. 12 Alsace, une fille de King's Best et Alex, elle-même par Anaba, portait déjà la casaque de l'écurie des Monceaux. Elle était d'abord entraînée par... 15 000. Par Carlos Lerner, elle avait ouvert son palmarès en débutant, c'était dans le prix Tahiti. 22 000. Course sur la ligne droite, le voilà Gérard Larieux. 25 000. Aux côtés de Fabrice Chappé. 25 000. Gérard Larieux qui porte les lunettes. 28 000 qui m'appelle au-delà de 28 à 28. Et par la suite, Alsace s'était placée de l'Istud. C'était à Saint-Cloud quand elle avait 3 ans. C'était dans le prix Coronation, battue par une excellente pouliche, une triple gagnante
des Sun Charles Stakes, battu par Safreza. 32 000, 32 000, 32 000, 32 000, 35 000, 35 000. Et donc par la suite, l'écurie des Monceaux l'a conservée en tant que poulinière. Et elle est la mère de Jules et Jim, un actuel 3 ans, un fils de Théophilo qui porte la casaque H-Spirit et qui vient de gagner à Saint-Cloud sur 2100 mètres l'important prix Rheingold. C'est une course B. C'est son premier vainqueur. À 38, merci. À 38, 40, deuxième plutôt vainqueur, puisque la pouliche qui est née en 2011, elle s'appelle Spirit of Alsace, une fille d'Invincible Spirit est gagnante de l'autre côté de la Manche. La mère King Best, 40 000 G, nous vendons à droite. Ludovic Lancher à 40 000, à 40 000, merci. À 40 000, bien vu. À 40 000, l'instant. Notons que le 2 ans, le Royal Applause est à l'entraînement chez Henri Lexpantal. Fini, merci. Pour l'instant, deux sorties, il n'a pas pu se placer. On a le juge. Ludovic, 40 000, merci. Le numéro 11 est présenté par le haras du Kenet, une femelle benne, et le 13 février par Motivator et Alizea. Fille de Motivator, la mère gagnante des rêves d'or a produit l'IKEA. Combien offre-t-on pour débuter pour la fille de Motivator? 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000. Qui m'appelle pour la fille de Motivator? 10 000, 10 000 euros, 10 000, 10 000, 5 000, 5 000 euros, 5 000. Qui débute à 5, à 5 000, à 5 000. Voilà l'acheteur Arnaud, je te pose la question. Qui est-ce? Juste devant nous. 5 000, 5 000, 5 000, qui m'appelle à 5, à 5 000, motivé à 5 000, 5 000, à 5 000 euros, 5, 5 000, 5 000 euros, mettez vos enchères, 5, qui m'appelle 5, donnez-moi 5, 5 000 euros, 5. Travaille pour Nirkos, Eric Lemaître. Qui m'appelle à 5, 5. Non, c'est pas Eric Lemaître, c'est. 5 000, nous sommes maintenant. Ah, voilà, j'ai un trou de mémoire, mais voilà. Ça vous a pas beaucoup renseigné. Quoi qu'il en soit, tous les résultats sont à suivre sur la page de notre du direct. On a pour ainsi dire les quatre premiers. Margaret O'Toole a acheté le premier. Le lot numéro 1, suivi par Alain Descrillons qui a déboursé 75 000 euros pour le lot numéro 2. Et donc tête voûte pour le week-end d'argent. Maintenant 12 à 12 000, à 12 000 euros, à 12 000 euros, à 12 000 euros, j'ai 12 à 12 000, 12, 15, 15 000, 15 000 euros, 15 à 15 000, à 15 000, vous êtes la fille de Motivator à 15 000, last chance, à 15 000 euros, merci, 15 000 euros, bien vu, à 15 000 euros, dernière fois à 15 000, à 15 000, bien vu, fini, dernière chance à 15 000, par nous, à 15 000, pas de regret, Tony, à 15 000 euros, fini. À 15 000 euros, merci. À 15 000 euros, dernière fois, dernière chance. À 15 000 euros, qui m'appelle? À 15 000 euros, last time. 15 000 euros pour une fille de Motivator et Alizea, présentée par le rat du Kenet. Pour le compte de Leonidas Marinopoulos. Le numéro 12 est présenté par la sœur de Likia, petite fille de Moi Vouloir Toi. American Adventure. Et notez que son demi-frère American Artist compte une victoire et une place supplémentaire. 15 000 euros, c'est la. Carlos Lafont Parias qui signe le bon, c'est peut-être racheté également.